Et salut les amis, allez comme chaque semaine on va procéder au tirage au sort. Alors là vu que j'avais pas fait de vidéo la semaine dernière vu que j'étais au Rolic Fest, je vais en tirer 6 au hasard. Cette semaine on a du coup Alexandre Glorian, Kevin Rodriguez, Damien Guibert, LDR Thanatos, F Martins 2317 et Stéphane Boussaton. Tous les 6 comme d'habitude vous m'écrivez par Messenger, vous allez ensuite sur la page Team Pilufa sur Facebook. Pour sélectionner le booster que vous souhaitez ou les 7 tokens que vous souhaitez. Je me suis pas mal fait dévaliser du coup ce week-end au Rolic Fest avec tous les cadeaux que je veux faire à droite à gauche. Donc du coup il ne reste plus beaucoup, donc dépêchez-vous en tout cas de sélectionner ce que vous préférez. Si comme vous voulez participer à ces tirages au sort et avoir donc du coup du contenu supplémentaire le lundi sans publicité, cliquez sur le bouton rejoindre qui est sous chaque vidéo, il y a plusieurs types d'abonnements. Aujourd'hui, hop, une petite phase de pub pour le tournoi qui aura donc du coup la semaine prochaine à la boutique Fantasy Sphere de Toulouse. Comme d'habitude, simplement 20 euros le tournoi pour gagner un Biland. Alors je pense que c'est l'occasion rêvée d'y aller pour gagner pas mal de lots parce que la plupart des joueurs sont un petit peu fatigués du Rolic Fest. Donc je pense qu'il n'y aura pas autant de monde que d'habitude. Donc profitez-en en tout cas pour y aller. Moi, malheureusement, je serai en vacances à une petite chérie, donc du coup je ne serai pas du tout sur les réseaux sociaux pendant une semaine. D'ailleurs pareil, les 6 personnes qui ont été tirées au sort, j'enverrai les cartes que dans une dizaine de jours. J'aurai pas le temps cette semaine. Hop, et aujourd'hui on se retrouve. On va pas commencer le Rolic Fest, on commencera que la semaine prochaine. Là on fait je crois que c'est la 4e ronde. Où est-ce que je sais un peu où j'en suis? Voilà, ici. La 4e ronde du tournoi qu'on avait fait à Guageux, je joue contre Tony De Paoli qui joue Yoshimaru Boros et moi je joue toujours mon Octavia. Hop, alors ça je le mets de côté, tac, c'est ici, mes écouteurs, mais si je mets pas le son ça va pas aller. Ouais ça y est, je suis enfin entièrement réaménagé, donc c'est quand même beaucoup mieux, il n'y a plus qu'à changer la chaise et tout sera parfait. Allez c'est parti. Je vais garder. Moi aussi. Ouais, c'est parti, ouais. Donc on était une vingtaine de joueurs. C'était pour gagner un secret lair. Un secret lair avec les 5 fetch en couleur ami, me semble. Donc c'est Tony qui a commencé avec forcément un Yoshimaru tour 1. Pour l'instant, on a vu que Octavia se débrouillait assez bien contre les decks contrôle. C'est vraiment le meilleur match-up. Et vas-y. Même si ça peut être compliqué parfois quand on nous pose, bien sûr, Endurance, Maître Archéoc. Mais le deck se débrouille bien quand même. Face à Gros, on va voir ce que ça donne. En général, ça se passe pas trop mal contre aggro créature. C'est contre mono rouge, c'est plus difficile en général. Là, il nous fait un départ avec un terrain légendaire. Le jument, une créature légendaire. Ah non, c'est pas une créature légendaire, mais c'est peut-être même pire. Petit bonhomme. 1, 2, 3, 4, 5, il est légendaire lui. Non. Le petit bonhomme non plus. Le petit bonhomme. Le petit mécanoptère. Un quart de PV tour 2, c'est pas mal. Ouais, je suis à 15, on est tour 2. C'est ultra violent. Surtout que dans ce deck-là, on n'a que des boons, on n'a pas de vras. Donc on peut faire que remonter les créatures, et remonter les créatures face à un Yoshi. Mais il est tout content de pouvoir reposer ses créatures. Oh non, mais il n'y a que des créatures légendaires. Et en plus, qui sont ultra agressives. Réponse, je vais faire regard furtif. Je vais regarder ta main et piocher une carte. Il y a Flage, Ombre Lance, qui est aussi légendaire. Pour ça, on est toujours en résolution de ça. En tout cas, merci Tony pour laisser les cartes révélées. Je trouve que ça permet vraiment de gagner du temps. On n'a pas les cartes à noter, on n'a pas les cartes à rier. Trigger sur Yoshi. Ouais. Ombre Lance. Donc encore un trigger sur Yoshi. Ouais, je vais essayer de limiter les dégâts, mais... Ouais. Trigger de l'apprenti, ouais. J'enlève les deux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 9, on est good. Ouais. Je suis à 6. Et ça sera une fin de tour. On est à son tour 3, je suis à 6. Fin de tour, je lui donne le vol, je pioche une carte.
Okay. Ouais, je fais ça pour espérer piocher. Je sais pas. Je sais même pas ce que je peux espérer piocher. J'ai zéro solution. Je m'en sors, là. Ouais, avec exténuation, je m'en sors, mais il faut 3 manas sur la table. J'étais obligé de faire la Light Days pour limiter un peu les dégâts. Ouais, c'est. Une sortie comme ça, c'est je peux strictement rien faire. C'était compliqué, ouais. J'étais sur le toss aussi, sur le play aussi. Le départ quasiment parfait, là. Le mécanoptère, le. Ouais, je pense. Créer le mécanoptère, l'apprenti royal, ouais. C'est encore plus fort, voilà. Encore plus fort que Feldon, ouais. Sur la durée, vous avez plus de tokens. Ouais. Très très bon choix de Tony d'avoir choisi l'apprenti. Hors tempo ensuite pour pouvoir répondre au reste, que ça revenait au même. Ouais, si je posais l'île, j'aurais pu contrer du coup l'apprenti royal, mais. Je vais pas garder. Ok, vas-y. Peut-être dû garder la première main, mais. Je reste avec un mana. Je faisais terrain engagé tour 1. Oui, il faut quand même qu'il ait un départ agressif comme il a fait la première pour pouvoir faire quelque chose. Ça, du coup, il est en mulligan 5 là. Je crois que c'est j'ai vu une solitude, donc je pense que c'est ça qu'il faut dégager. De là en dessous. Ça va pas trop être utile contre moi, à mon avis. Vas-y. Yoshi. Contrer avec une remontrance sévère. Oui. Et vas-y. Voilà, déjà, si on arrive à contrer Yoshi tour 1, c'est très très bien. Fetch, vas-y. Ben, reposer Yoshi à 1 au tour 3, c'est quand même de suite beaucoup moins fort. Mer des runes. Ouais. Alors mer des runes, ça va être pénible parce que du coup, ça va éviter les boons. Je vais me meubler de 2 et piocher une carte. Ok. Ça permet aussi de protéger ses créatures si j'attaque avec Octavia. Donc il faut voir rapidement que je gère cette mer des runes. Sauf si j'ai beaucoup de moyens d'évasion. J'ai beaucoup de cartes qui donnent l'imbloquable à une créature ou le vol. Et du coup, ça peut passer outre la protection de la mer des runes. Fin de contemplation. Oui. Ben là, de toute façon, vu qu'il n'a pas été agressif avec son Yoshimaru tour 1 comme il a fait la première avec beaucoup beaucoup de créatures, là, il m'a posé une créature tour 1 que j'ai contrée. Tour 2, il m'a posé juste une bête, donc ça va. Moi, pendant ça, je peux tranquillement remplir mon cimetière. Tu pioches ça. Je suis à 3, je crois. Je vais te la remonter en ta main et je vais faire regard 1. Ouais, ça peut être un éphémère, faut que je joue en tant que rituel vu que c'est une créature qui, une fois qu'elle sera active, pourra se protéger elle-même. Ici, là. Donc, vas-y. Ouais, surveille. Mettre au cimetière. Et j'y vais. C'est pas mal ces protections là qui sont avec un fond noir et qui sont une autre couleur sur le dessus. Ça permet d'avoir des cartes. Comme les MDFC, toutes les cartes modales, sans qu'on puisse voir à travers la pochette. Ouais, je pense que ce sera les prochaines pochettes que j'achète. Pour l'instant, j'ai que des pochettes ivoire et. Bon, on m'a jamais embêté en tout cas, mais je sais pas si on peut voir quand il y a une forte lumière dessus, peut-être qu'on peut voir un peu à travers, je sais pas. Là au moins, y a pas de souci. Proposer le maire des runes. Donc il relance la maire des runes. J'ai toujours pas le contre. Moi, je vais te proposer. Arbaz. Chaque fois que lui, voilà, me balance avec Arbaz, je cherche le matin, soit contre Arbaz, je vais chercher à servir un point de vue. Ouais. Le ouais qui manque de respect total, je suis désolé. Ouais, je suis pas vraiment convaincu, ouais. C'est un petit peu mou, Arbaz. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, il n'y a que des permanents légendaires quasiment, mais ouais, malgré tout, c'est une de deux qui n'est pas stérilité, qui n'est pas initiative. Je sais pas.
Je vais faire une option. Oui. Allez, je continue à remplir mon cimetière. Ouais, c'est bien quand même. Merci Tony. Ah, je vous dis, moi parfois je triche, mais c'est bien pour moi et parfois c'est bien pour l'adversaire. J'ai zéro tête des fois, c'est hallucinant. Phase d'attaque. Juste avec ça. Deux. Talia. Talia, faut surtout pas. Là, c'est l'ensemble de suite qui est le contre. Hein, en ce cas, c'est faut surtout pas que ça passe. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait Talia qui est très très pénible ici contre mon pack. J'ai très peu de terrain, j'en ai que 32. Et bah, tous mes sorts coûtent 1 ou 2, mais si ça coûte 1 de plus, c'est même pas la peine d'y penser. Donc c'est contré, c'est parfait, ça continue à remplir le cimetière. 6. Vas-y. Et là, pour l'instant, j'ai la chance parce que depuis le début de la partie, il me lance une seule créature par tour. Donc c'est très très lent par rapport à la première partie. Okay. Là, je meule le 4 cartes, donc logiquement, on va passer. Ouais, c'est bon. 4. C'est bon, on y a 9 cartes. J'en ai eu 3 de plus, donc j'en ai 9. Je peux poser Octavia. Il lui reste un mana blanc, il peut rester dîme de mana. Je vais le tenter. Vas-y. Faut le tenter, faut pas tourner autour d'une seule carte sur 100. Et au pire des cas, même s'il me le contrait, tour d'après, si je pioche un terrain, je peux à nouveau la poser, donc c'est pas trop trop grave. Yoshi. Ouais. Ah ouais, Yoshi, pour 3 mana. Trigger Yoshi, trigger Arbaz. Ouais, je relis malgré tout Arbaz, ouais, mais je trouve pas ça violent, violent. Ouais. Et vas-y. Là, faut impérativement du coup que je donne le vol à Octavia ou la blocable. Je peux payer 2 et piocher si j'ai attaqué avec 2 créatures ce tour. D'accord. Et sinon, si j'ai pas de légendaire, il arrive engagé. Phase de combat ? Oui. Je vais lui donner le vol. Ah. Et y a. Et oui. Et je prends 8. Et du coup, la mer des rues ne sert plus à rien. C'est ce que je dis en fait, c'est que ouais. J'ai beaucoup de sorts comme ça qui permettent de passer outre les défenseurs. Je vais jouer elle en 0-4 et tu peux y aller. T'es à 10. Ouais, du coup, elle cherche beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. J'aurais pu poser la gardienne. Eh oui. Si j'avais posé la gardienne avant, j'aurais transformé en 8-8. Alors peut-être que j'aurais pu faire le retour en pays en réponse. Mais j'aurais gagné 8, je ne l'ai pas fait en réponse en tout cas. Je l'ai attendu à la fin du tour. Là, je vais gagner 0. Mais. De toute façon, j'ai vraiment envie de le contrer parce que j'ai vraiment envie de le tuer au premier tour avec une double attaque de 8-8. Ah, bien sûr. J'ai quasiment plus de batterie sur mes écouteurs. Vas-y. Deux cartes en main. Je crois que c'était lui, tout ça.
J'avais pas de bleu. J'ai que du blanc. Je vais jouer ça. Némésis. Ok. Phase d'attaque. Ouais. Je vais attaquer avec ces deux-là. 2, 3, 4, 5. Pas de bloc. C'est ok. 2, 3, 4, 5. Et tu peux y aller. Je vais la rendre imbloquable. Il y a un trigger qui décale 8-8. Ouais. Et je vais jouer le flashback. Aussi flashback sur elle. Ok. Et ça suffit. Allez, hop, je vais mettre un autre écouteur. J'ai plus de batterie sur celui-là. Ça, c'est pour qui font piocher, qui font donner le vol, ou piocher, qui font un vocable. Il faut qu'il y en a 4 ou 5 dans le pack. J'ai hésité à garder le Nemesis en bloc. Pour, ouais, j'avais plus de batterie sur les petits écouteurs. Ça aurait servi à rien, du coup. Du coup, ouais. Vu que les deux étaient imbloquables, je vais garder. Moi aussi. Allez, fetch. Là, ce coup-ci, il n'y a pas de mulligan. Ça brille. Je sais que t'aimes pas la brillance, toi. Je déteste la brillance. je vais me mêler de 4 cartes. Ça commence bien. C'est bon. Ouais, ouais. 2, 3, 4, 3 cartes au cimetière. Hop, hop, tac. Il va falloir cogner vite et fort. Et ce sera à toi. Ouais. Allez. Pioche. Poser ça. Je fetch sur une montagne et je te proposerai Adjani. C'est compliqué parce que s'il arrive à tuer son chat plus tard, ça va me faire beaucoup de points de dégâts. J'ai l'habitude en main, je sais pas si ça vaut le coup de l'utiliser là-dessus. Mais ça va booster Yoshi. Je peux pas. Ça mettra 3 millions par tour. Days. Ouais, je préfère contrer. Et je t'attaque pour 1. Et tu peux y aller. Vas-y. Ça, trigger. Donc là, gardienne, qui me permet de meuler 4 cartes. Là, qui fera office de bloqueur. Ouais, je pense avoir. C'était peut-être une erreur quand même le Days tour 1, je sais pas. Après, je serais déjà à 18, là j'aurais. Ouais, j'aurais pu bloquer en plus avec la 0-4 ensuite, je sais pas. Début du combat. Et voilà. Et ça, par contre, c'était beaucoup mieux à contrer ça. Quoique, de toute façon, il avait Amada. Il avait Amada, donc de toute façon, j'aurais pas pu le contrer. C'est ça. 2, 3. Et vas-y. Donc, Fiamma, ouais, si, Fiamma, j'ai bien fait, j'aurais pris beaucoup plus cher encore. Mais là, quand il commence avec beaucoup de petites cartes que je ne peux pas contrer, c'est vraiment délicat. Après, en removal de masse, j'ai que engloutissement tutoral qui remonte toutes les créatures dont l'endurance est inférieure au nombre d'îles que je contrôle. Mais son Yoshi grossit très vite. Hein. Après, il y a beaucoup de boons qui ciblent. Tant qu'il n'y a pas de mer des runes, j'aurai logiquement un boons pour le Yoshi. Il veut rentrer en fin d'attaque.
Il y a ça qui peut se déclencher au début du combat. Oui. Est-ce que je peux dire OK en rentrant en phase de combat? Il y a ça qui se déclenche. Il y a ça qui se déclenche automatiquement, c'est ça. Dès qu'il en est rentré. Ouais, je suis prioritaire dans la. Ok. Du coup, on ne va pas rentrer en phase de combat. Ok. En main 1, du coup. Ouais. Je vais pas. Je me suis voté, donc bon, je vais pas faire. Ouais, il est là, on était en phase de combat. Ouais. Trigger de l'apprenti, ouais. Du coup. Hop. Donc lui est 3 en force, c'est ça? Oui. Je vais bloquer le 3 en force et je vais laisser passer les 4 autres. Bloqué. Ça marche. 2, 3, 4. C'est compliqué, ouais. Et main phase 2. Alors, c'est quand même un peu plus lent que la première, mais. Il peut aller chercher Amber Cleave. Je vais faire une différence, c'est contré. C'est renvoyé dans la main, pardon. C'est renvoyé dans la main. Vas-y. Alors ça permet de piocher, ça permet de remplir le cimetière un petit peu. Il n'avait qu'un seul mana blanc, donc il ne peut pas le reposer de suite. Némésis, sur toi bien sûr. Oui. Némésis, je vais pouvoir enfin bloquer son apprenti royal. Il existait en comme ça. C'est moi qui l'ai créé. C'est une altération. Ouais, ouais. Stylé. Ouais, je suis à 5 cartes, je pourrais bientôt poser des ministres. Oh, il a encore un terrain légendaire. Là, du coup, le 4-4 passe enfin à travers la gardienne. Nemesis pourra quand même bloquer l'apprenti loyal. Boromir. Et là? Ouais. Trigger. Phase d'attaque. Trigger ici. Hop. Et j'attaque avec tout. C'est compliqué, hein. Il va falloir la bloquer, cette Yoshi. Enfin, ce Yoshi, pardon. Ça, il faut le tuer. S'en débarrasse définitivement. Ouais. Sachant qu'en plus, il peut quand même sacrifier Boromir. Heureusement, il ne le fait pas. Je vais jouer ça. Ouais. C'est là. Ouais. Et là, du coup, il le rejoue. Il va chercher Taillebraise. Voilà. Il y a de fortes chances qu'il puisse me tuer au prochain tour. Et tu peux y aller. En fait, c'est les mécanoptères qui vont me tuer. Si j'ai pas un removal de masse, ils vont me tuer ces trois petits 1-1. Ouais, j'ai un peu gaspillé mon habitude. Ben, je dis ça, mais il avait son troisième mana au tour 3. L'habitude, j'aurais pas pu contrer l'apprenti royal quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc. Il a toujours eu un mana de libre, donc si j'ai eu bien fait de contrer dès le début la Jani. Ben là, Némésis va pouvoir bloquer Boromir, ou bloquer plutôt Yoshimaru. Je prendrai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, en bloquant ça, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prends 7, je passe à 2, je survis. Le tie-braise, c'est Doublinite piétinement. Alors, je suis obligé de contrer ça en plus. C'est un vampire. Ah, j'ai Otawara en main qui va me permettre de remonter la créature qu'il va vouloir équiper avec Taillebraise. Oui, pas de souci. La Stoneforge, je préfère. Comment on a dit ça, mon coup pour moi. Ouais, et Tony, on se connaît depuis très très longtemps. Si je sais que t'es pas du genre. Un super pote. C'est clair. Et voilà. Mais voilà. Je sais très bien qu'il triche pas. Allez, ça. Non. Mairi. C'est encore célérité. C'est encore légendaire. Phase d'attaque. Donc j'ai rempli le choix, faut vraiment que je bloque Yoshi. Avec tout sauf la Stoneforge, j'aurai un trigger sur Mairi. Ah, en plus il garde la Stoneforge mythique, donc il va pouvoir poser Amber Cleave gratuitement. Enfin gratuitement, en payant deux, mais sans à jouer, je veux dire. Je pourrais pas la contrer par exemple. J'ai pas le choix, faut que je bloque Yoshi. Je prends 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je passe à 1.
4, 5, 6, 7, 8. Comme ça, je m'en sors. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, comme ça, pas le choix. Ok. Avant blessure, je survis, mais je suis pas bien. Pose un taille braise de plume. Il va poser sur qui? Taille braise. Donc là, il sera champ de bataille. Ça trigger Yoshi déjà. Sur Mairie. Sur Mairie, donc du coup je vais faire Otawara sur Mairie. Et je vais te remonter du coup Mairie. Ça dans mon main. Okay. Donc du coup je prends un. Donc je m'en sors pas trop mal. On est good. 2, 3, 4, 5, 6, et il se passe. Je suis à 3, mais le problème c'est que je peux toujours pas gérer. Il y a encore un trigger Yoshi, il est 8-8 le Yoshi. Je rejoue ça. Si, engloutissement de nuit orale. Non, même pas, ça me sauve pas parce que si je suis engloutissement de nuit orale. Je peux pas gérer Ambercliff qui va probablement équiper sur Yoshi. Il y a deux cartes qui me sauvent. Il repose Mary, il regrossit Yoshi. Ouais, il y a engloutissement du Toral, il y a exténuation qui me sauve. Ouais, c'est que ces deux cartes-là qui me sauvent, je crois. Contemplation. Oui. Contemplation. Pardon. Oh. Allez, montre que sur un top deck, je peux faire des miracles. Non. C'est ma spécialité, les top decks, dans des situations critiques comme ça. Donc, je n'étais même pas spécialement inquiet. T'as un passe-passe. Oui. Non, c'est, en plus, j'ai pas le choix, je crois. Non, passe-passe, ça marche pas comme ça. L'une entre la main et l'autre dessous. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais ah ouais. Ouais, ouais. Quel tricheur, ce qui ligue. Voilà. Non, c'est que je lis vraiment pas mes cartes. Je suis vraiment tête en l'air. Hein. Comme tout à l'heure, avec l'option, j'ai oublié de piocher. Je vous dis, je suis pas très très concentré. Lui, je peux le gérer. Lui, je peux le gérer. J'ai sûrement un bounce, mais pas suffisamment pour tous les gérer, je pense. Je rassure des cartes avec flashback, mais j'ai rien. Eh ouais. Non, c'était très compliqué. Pyrogoyf encore. Mais en vrai, en 3 minutes. Ah ouais. Ouais, la première, je crois que trop rapide. Tour 3, tu concèdes. En tout cas. Ouais. Du coup, on se retrouve lundi. Il y aura le top 8. Malgré cette défaite, je suis quand même en top 8. Et je vais affronter, si ma mémoire est bonne, Léovold en quart de finale. Allez, à bientôt. Bye bye. Il fallait pas que je le foute sur Yoshi parce que t'allais me le bouncer, quoi, c'était sûr. Ouais. J'avais pas envie de perdre les 15 marqueurs qu'il y avait dessus, quoi. Donc, Ah, le Yoshi était gros, ouais. Et j'étais serein à part que tu me tuais ce tour, parce que j'avais Pyrogoyf en main, donc... Si tu mettais sur Yoshi, il passait à 1. C'est-à-dire que là, il y avait quasiment rien à son deck.